Et sans transition, nous passons la parole. Madame, Messieurs les membres de la Commission, Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti, Monsieur le Commandant en Chef de l'Armée d'Haïti, Messieurs les représentants de la Fédération des Barreaux d'Haïti, Messieurs les représentants des associations de magistrats, Mesdames, Messieurs les représentants du corps judiciaire, Mesdames, Messieurs, tous, toutes en vos rangs, grades, qualités et fonctions, Mesdames, Messieurs, la tâche qui m'incombe aujourd'hui est de procéder à l'installation officielle des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme des mœurs. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du code pénal et du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la Commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Ici, je reconnais la complexité et la difficulté de la tâche qui vous attend, de la mission dont vous êtes investi dans un monde en constante mutation. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, ce canevas théorique que je viens d'esquisser ne constitue en rien un cadre méthodologique de vos travaux. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes et dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. Vous saurez, je n'en doute une seconde,
concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité, appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. Il ne me reste qu'à vous souhaiter du succès dans vos travaux, avec à l'esprit la limite de temps qui vous est imparti, dont je demeure convaincu, vous en ferez bon usage. Bonne chance, Madame, Messieurs les membres de la Commission. Tout l'exécutif vous accompagne dans cette œuvre nécessaire et essentielle à l'état de droit démocratique haïtien, dirait le feu bâtonnier Montfurier d'Orval. Je vous en remercie. Premier jour, tu es satisfait? Et deuxième jour, jeudi à troisième jour, qui ça nous fait jeudi? Mathématiques. À qui ça encore? Espagnol, on va le faire. Ah, espagnol, on va le faire? Ok, comment est l'examen? Est-ce que ça que vous avez fait là, ou je n'en fais là, est-ce que tu as fait dans la classe? Oui. Ça, dans quelle école vous sortez? Institution mixte de la foi. Pardon? Institution mixte de la foi. Ok, qui est l'école ça? Cano. Ok. Ça veut dire et vous satisfait par rapport avec l'examen? Oui. Ok, ok. Est-ce que par rapport avec l'autre ami ou gagné? Et est-ce que vous sentez dans le visage ou bien dans le dialogue avec vous, est-ce que vous avez bien travaillé tout même? Oui. Ça veut dire que vous passez? Oui, passage. Passage n'a pas passé. Pourquoi dans tête? Oui. Alors vous êtes préparé pour l'examen, même si nous connaissons l'examen, ça c'est pas un examen qui a aussi passé, parce que nous faisons pile jour à l'école. Vous êtes préparé pour l'examen quand même? Oui. Hmm? Oui. Pas de aucune difficulté, les autres fait bon fait là, tout va être ok pour vous. Ok, merci. Moi, je vais vous beaucoup de chapeau à l'État. Parce que c'est l'État qui forme. Je fais l'État confiance. C'est une année qui est plus difficile que je connais dans la vie, en Haïti, à tous les niveaux. Économique, social, psychologique, académique. Deuxième coup de chapeau, c'est l'institution après l'école en Haïti, particulièrement Marie-Esther. Vous connaissez l'école ça, vous avez fait un gros travail ça, mais vous avez subi l'enlèvement. Malgré tout, le professeur là, était à la hauteur. Et puis, vous reprenez le travail, vous travaillez en ligne, vous reprenez le travail en présentiel, et puis vous bouclez l'année. Vous avez fait quatre contrôles, malgré toutes sortes de
Troisième bagaille, si mon yo, je ne sais pas si jeune moral de faire ça. Mon côté qui veut me demander, est-ce que si mon va craquer? Donc, au pays, quand on a l'impression que toute institution à genoux, on va regarder si mon yo, et pour elle résister, les coins dans le bagaille, mais la garder sous parent tout qui est bien, et puis on va clé à nous. Là, pendant trois jours, là, je vais regarder à Poussel. Siège là, tranquille. Nous nous faisons travail. Et puis, si nous nous. Deux petits mondes de chita dans la classe. Ils étaient sur le consigne l'école. Si vous n'allez pas passer là, il faudra faire le redouche. Il a subi 40 ans parce que l'État. Pas bah un examen pour piéger Timounio, ils mettaient eux dans condition pour qu'ils aient ça ouais avec eux. Donc nous pouvons essayer à féliciter le niveau éducation nationale, niveau institution scolaire, particulièrement Marie-Ouster, et puis responsable de ces jeux. Nous gardons une impression qu'il y a un examen qui a crasé, une sécurité. Mais ouais, que la police prend responsabilité. Il y a une visite policière qui fait là, et du bol, tout le monde. Toute institution politique a campé et puis ouais, tout le monde détendu et puis par ailleurs, responsabilité aux abords de siège pour les petits millions de confiance. Même selon vous, on fait trois jours examen, bon l'école là, ou tout petit peu de vous finir déposer tout en nous. Moi, tenu, moi fais déplacement tout pour me garder un environnement qui n'est pas immédiat. Parce que si Gabon des autres, ce n'est pas où même là, tu es capable de faire face parce qu'il faut regarder. Mais si on est tout donné, et puis moi, atmosphère là pareil. Ça veut dire que l'État a un signal et que il passe. Donc la police nationale là, moi bats le chapeau. Et puis toute force vit pays parce que chaque fois que les gens ont besoin de caser pays, ils ont commencé par l'école. Donc génération ça, c'est comme si. Il n'y a pas de monde qui lit. Par contre, pour qui raison que pour qu'on va dans le pays, c'est l'école pour attaquer. Alors qu'on n'a pas quelques monde qui a fait mouvement ça, petit à l'étranger. Donc la relève, le monde qui vivent dans le pays, c'est eux-mêmes, c'est sur eux la relève qui a compté. Donc pour faire que son signal clair, le fait qu'on réussisse en état, nous parlons de nouvelles stratégies pour qu'on ait le même niveau mental là, même engagement, parents, professeurs, direction de l'école. L'État, pour nous faire une task force, pour nous capables d'accompagner Timounio, pour nous faire un point à l'avenir. Parce que si on ne peut pas croire dans l'avenir, l'investissement nous a perdu. Et tant que parents, nous connaissons l'école fermée pour un, la pauvre pour deux, comment ça y est? Bon, je crois que nous devons entrer dans une nouvelle stratégie. Nous devons prendre vacances, nous devons habituer Timounio, vacances, plaisir, transfert d'activité. Nous avons vacances, bon, minimum de détente, mais c'est nous temps de travail que nous avons. Ce n'est pas avec même rigueur là, l'école là, mais c'est un douce, un chaud. Un douce, un chaud. Nous pouvons dire bon, culture ça à nous assimiler pour que demain Timounio habitué avec dynamisme. On ne dit pas bien loisir, quoi. On dit Timoun va aller en province, pas un côté pour Timoun aller détenu, mais comment on va partir ça? Bon, par exemple, les gens qui déplacent, moi-même, je tire le chapeau devant eux parce que. Il y a des parents qui décapitalisent parce que le grand budget, le budget qui a passé par là, eh bien, ils ont kembé. Ils ont kembé, ils ont résisté. Pas de monde qui vient demander ça au bout de l'ouvre, mais ils ont résisté, ils ont kembé. Nous croyons que pendant qu'il y a un foyer, il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une sérénité pour que les gens dérivent et recréent dans le même espace vital. C'est un mot que tu as dit avec tous les parents qui montaient pour cette pression. Ça, ça va. Nous croyons que nous devons couronner. Moi-même, ministre de l'Éducation nationale, moi, j'ai appuyé la plaque d'honneur à tous les parents indistinctement. Depuis son monde qui est ici, l'école, pour année ça spécialement, pour toute mérité une plaque d'honneur. Et puis, par voie de conséquence, le budget pays a injecté le minimum pour pouvoir aborder l'avenir parce que c'est un autre là où il y a pour le premier versement. Non, pas aussi. Henri Roubergeon. Allemand. Et comment tu es mathématique? Pas besoin de timide, non. Comment tu es mathématique? Comment tu es mathématique? Mais qui m'a tué avec nos étudiants? Est-ce que tu as un espoir ou bien composé les étudiants? C'est pas ton dernier mot, tu as dit à l'élève l'école par nous, ça t'a plu. Je ne sais pas
Mais on sentit qu'on a réussi dans l'examen aujourd'hui? Oui, 1200 points. 1200 points. Mais tout de suite après, on a espoir donc on va aller en NS. 4? NS. Ok, sous ton dernier mot, dit élève, par où ça l'a vu? Succès. Sous ton mot, dit élève, par où ça l'a vu? Succès. Mais on pense qu'on va faire espagnol, comment ça va vous? Je ne sais pas parce que je ne sais pas, mais quand même, je vais. Yes. Merci. Comment ça t'est? Comment ça t'est passé? Mais qui matière on va le composer talent comme ça? Espagnol. Selon vous-même, qui sont vous faire? Ma pleine. Vous nous passez na. Est-ce que vous avez espoir pour l'autre année? Non, l'autre classe? Oui, n'a pas ce quand même. Si nous avons l'autre mot, nous dit pour l'autre élève, ça va bien. L'école pour la comment elle est? Collège Marie-Estelle. Dis la fois. Dis-nous non, comment t'es ouais examen matin? Ah, pour moi, examen matin, c'est bon sens et puis un peu compréhension. Vous pensez la générosité. Mais quel examen vous allez composer pour moi? Espagnol. Selon vous, comment vous êtes, comment pensez-vous à faire espagnol? Ah, mais tu dis pour moi, c'est qu'il va comment dire si vous. Vous avez espoir pour l'autre classe dans l'année cabine? Pour tout dire. Si vous conseillez, vous avez l'autre zone par vous, ça t'a bien. Ah, je ne pas par exemple par vous. Toujours travail, mais pensez, même travail, vous pensez la prochaine zone de bagage demain, et puis faire succès, mais tout ça, la fin, respectez mon nom, c'est tout papa nous. Merci. Thank you.